Les musiques de ce jeu, elles sont vraiment, mais vraiment terribles. Salut tout le monde, c'est Factor. Bienvenue sur xboxfrance.fr. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, ça commence bien. Cette JVTV commence bien, franchement. Hein. Donc bienvenue sur xboxfrance.fr pour un nouveau test Xbox 360. Cette fois-ci, on se retrouve sur 50 Cent Bulletproof. Non, c'est pas vrai. C'était une petite blague. On se retrouve sur NBA Live 2006. Alors, pourquoi le 2006? Parce qu'on est quand même en 2007, hein. Je sais pas si vous le saviez, mais on est en 2007. Alors pourquoi le 2006? Tout simplement parce que le 2007, je l'avais, mais bon, je l'ai vendu, donc il me reste plus que le 2006. Donc on s'est dit pourquoi pas tester un bon petit jeu de basket. Mais bon, vu que le 2007 et le 2006, ils se ressemblent énormément, ça revient au même. Donc on peut dire que je teste le 2007 aussi, mais bon, on va dire le 2006. Donc NBA Live 2006, c'est un jeu édité par Electronic Arts, développé par EA Sports. C'est un jeu de sport, c'est sorti le 1er décembre 2005. C'est pour tout public, c'est similaire au NBA Live 2K6. Donc c'est sorti à la sortie de la console. Hein. J'avais zappé, ouais. Donc alors, NBA Live, super série de jeux de basket, franchement, avec les NBA 2K6. C'est vrai que le NBA 2K6 et le NBA Live 2006 ont été. C'était les deux rivales, quoi, du jeu de basket sur 360. Je vais un peu vous dire lesquels j'ai aimé, enfin lesquels j'ai préféré entre le 2006 et le NBA Live. Enfin, entre le 2K7. Ouh là là, j'ai un bug. Lequel j'ai préféré entre le NBA Live et le NBA 2K6. Voilà. C'est pas possible ça. Donc voilà. Donc alors, une petite nouveauté dans ce NBA Live, c'est que avant chaque match, ou avant chaque tournoi, ou avant ce qu'on veut, on peut s'entraîner, voilà, avec la personne qu'on choisit, voilà, on peut faire des shoots, on peut faire des smash, on peut faire des gestes techniques, enfin, on peut faire pas mal de trucs, ça c'est pas mal. Menu du jeu, on peut faire des matchs amicaux, des compétitions du mode Xbox Live. Bon, il n'y a presque plus personne, mais bon. Mais la grande particularité du jeu, bon, c'est EA Sports, c'est un peu normal. On peut créer notre personnage et on peut le créer, mais vraiment, vraiment comme on veut, c'est vraiment bien. Alors, choisir un joueur, jeu immédiat. On va se faire un petit match, on va jouer, allez, on va prendre ceux-là contre. Non, on va faire. Voilà, non, pas les Lakers, on va prendre un autre. Attention. Voilà. Tac. Tac. Et c'est parti, on va prendre l'équipe de Tony P. Tac, à savoir que Tony P, pour ça, on va un peu faire de pub pour lui. Hein. Tony Parker a sorti un CD. Donc où il se met à rapper. Donc je comprends pas. Je comprends pas les gens, moi. Il y a des gens qui sont riches et ils font du basket, ils sont riches, ils ont la popularité, ils ont l'argent, ils ont les filles. Mais pourtant, ils veulent pas s'arrêter, ils veulent faire de la musique. Je comprends pas les gens. Franchement, pour ça, je comprends pas. Enfin bon, donc petit temps de chargement, ça va, ils sont pas énormément longs. Et comme avant chaque match, on a le temps de s'entraîner, comme ça fait passer le temps. C'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu? Tout simplement, vous allez le voir dans quelques secondes, c'est les graphismes. Point de vue graphisme, ce jeu, il est somptueux, il est de toute beauté. La modélisation des personnages, elle est, je vais pas dire quasi parfaite, mais presque. Elle est vraiment, vraiment très, très bien faite. Les stades, parfaits aussi, se ressemblent pas. C'est les vrais stades des équipes. Un petit défaut, allez, c'est dans la bande sonore. Les commentaires sont en anglais. À savoir que dans le 2007, ils sont en français. C'est une grande révolution, ça. Enfin, une grande amélioration. Et attention, point de vue graphique, attention, c'est chaud, c'est chaud. Attention. What's up Tony P? Bon allez, on va passer tout ça. Et c'est parti. Donc un autre petit défaut, je vais vous le montrer maintenant. Voilà, c'est ça. C'est les cinématiques. Les cinématiques, elles se ressemblent toutes. Il doit y en avoir 3, voire 4, voire 5 dans le jeu. C'est tout le temps les mêmes, quoi. Donc voilà. Donc avant chaque match, on voit celle-là. Bon, c'est un petit défaut, c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. Ah, j'ai sauté avant. Donc voilà. Donc alors, le basket, je vais pas dire que c'est vraiment le sport que je préfère. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les NBA depuis la PlayStation et moi j'aime bien. Ce NBA Live 2006 est vraiment bon, le 2007 est vraiment bon. La jouabilité, bah, on prend le jeu en main rapidement si on connaît les règles du basket, autrement bon, on fait tout le temps des fautes. Mais on prend le jeu en main très rapidement, les menus sont en français, la jouabilité, donc ça c'est fait. Graphisme vraiment vraiment beau, à part quelques textures, excusez-moi, à certains moments, mais à part ça c'est vraiment beau. La durée de vie, bah, on a le mode amical, le mode Xbox Live, le mode carrière qui est vraiment rempli. Donc, dans le mode carrière, il y a les matchs de championnat, les matchs de coupe, les playoffs. C'est vraiment excellent. On peut acheter des joueurs, on peut vendre des joueurs. Pour ça, c'est vraiment bien. La durée de vie, elle est bonne. Le scénario, il n'y en a pas, en tout cas. Alors, bon, la question que tout le monde se pose, c'est quel est le mieux entre le 2K6 et le NBA Live 2006? Bah, moi, je vais vous le dire. Alors, personnellement,
Point de vue graphique. Alors, point de vue graphique, point de vue mode. Alors, on va parler des graphismes, hein, alors. Point de vue graphique, premier abord. Attention. NBA Live 2006, pour moi, point de vue graphique, il est plus beau pour la modélisation des personnages. Donc, pour les têtes, pour la structure des personnages, pour le corps et tout, pour moi, NBA Live 2006, il est plus beau. Par contre, NBA 2K6, il est plus beau point de vue graphique dans la gestion des caméras, etc. etc. Dans la jouabilité, tout simplement, il est plus beau. Les joueurs sont plus réalistes, je trouve, quand ils courent. Ils font comment vous dire? Ils font moins tout droit. Ils sont jamais, ils sont, ils se font moins tout droit. Ils font plus réalistes. Donc, dans le NBA Live 2K6, on a plus l'impression de regarder un vrai match de basket que dans NBA Live de 2006. Ça, ce n'est que mon avis. La bande sonore, la bande sonore, c'est la même, on entend les mêmes chants, c'est la même, franchement, c'est quasi ressemblable, donc pour ça, il n'y a pas de problème. La jouabilité, NBA Live l'emporte, l'emporte énormément, je dirais même un 10-0, hein. NBA Live 10 et 2K6 0, quoi, parce que c'est vrai que la jouabilité du 2K6, elle n'est pas excellente, c'est vrai qu'on s'y habitue à un certain moment, mais je la trouve pas excellente. Donc c'est vrai que la jouabilité pour le NBA Live 2006, c'est vrai qu'elle est largement mieux. Et la durée de vie, c'est pareil, quoi. C'est vraiment pareil. Mode carrière, etc. Mais c'est vrai que j'ai moins joué au 2K6 qu'au NBA. Hein. Donc c'est pour ça peut-être que je préfère le NBA Live aussi. Enfin bon. Les deux sont bons, mais je vous conseille quand même le NBA. À savoir que bon, il y en a qui disent que le NBA c'est de l'arcade. Moi je trouve que c'est de la simulation. Hein. Le NBA, le 2K6 aussi, c'est de la bonne simulation. Enfin bon, c'est deux bons jeux de basket qui coûtent maintenant 20 euros chacun. Le 2006, je parle. Après, si vous voulez le 2007, bon, va falloir payer un peu plus. À savoir que le 2007, il est vraiment, vraiment bon, quoi. Enfin bon, je fais un peu de pub, bien sûr, pour ceux qui aimeraient l'acheter. Mais bon, à part ça, bon, voilà. À part ça, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur un jeu de sport. Il n'y a pas grand chose à dire. À part que c'est un jeu bon, c'est pas une révolution dans le jeu de basket non plus. Mais bon, c'est quand même un jeu que je vous conseillerais d'acheter. Bon, si vous voulez plus un conseil, enfin si vous voulez un vrai conseil, achetez le 2006 et pas le 2007. Parce que le 2007, c'est exactement le copier-coller à part quelques petites améliorations. Donc franchement, achetez le 2006 et laissez béton le 2007, quoi. Parce que c'est le même. Donc voilà. Bon, écoutez, ce test, il aurait été rapide. Hein, ça fait que 8 minutes qu'on est ensemble. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc je vais vous laisser avec les images du jeu. C'était Factor qui vous a testé NBA Live 2006 sur 360, à savoir qu'il est sorti bien sûr sur PC, PS2, Xbox 360, GameCube je pense aussi, même PSP. Donc c'est pour dire, il est vraiment sorti sur toute plateforme. Donc voilà, donc je vous dis à plus pour un autre test, et je vous laisse avec les images du jeu. Voilà. Allez, à plus les gars, ciao. Enfin, vite fait, attendez, j'ai dit à plus les gars, mais il n'y a pas que des gars qui regardent xboxfrance.fr, je pense. Ça m'étonnerait parce que, bon, c'est vrai que, bon, notre site, il est quand même connu mondialement, donc je pense surtout qu'il y a aussi des filles qui nous regardent. Donc voilà, donc je vais vous dire à plus les gars et à plus les filles. Voilà, on va se terminer, enfin, on va se laisser sur un lancer France, c'est génial. Voilà. Allez, à plus tout le monde, ciao. En plus, ils font toujours le même geste, c'est abusé.